Depuis bientôt un an, Ulysse et ses compagnons séjournent sur l'île de Circé. Après les terribles tempêtes et les incessants naufrages orchestrés par Zeus et Poséidon, les jours passés auprès de la magicienne sont comme un baume posé sur leurs plaies. C'est le temps des festins et des fêtes, des viandes à foison et du vin qui apaise. Ulysse et ses hommes oublient peu à peu leurs tristes aventures et retrouvent le même cœur qui, jadis, leur avait fait quitter leur sol natal, la rocheuse Ithaque. Au bout d'une année, quand revient le printemps, Eurylochë et Polytès, au nom de tous les hommes, apostrophent leur chef. Il n'est plus temps de partager chaque nuit la couche de la magicienne aux belles boucles. Il faut rentrer. Leur destin est de retrouver la maison de leur père. Et pour Ulysse, la belle Pénélope, son fils Télémaque, et, si les dieux lui ont prêté longue vie, son père, Laërte. Ulysse, s'il ne tenait qu'à lui, resterait volontiers auprès de la magicienne. Après tout, à quoi bon rentrer après tant d'années? Plus personne, sans doute, n'espère leur retour. Mais la peine et le chagrin de ces gens lui serrent le cœur. À Circé, il annonce son départ. La magicienne savait que ce jour viendrait. Elle avait promis à Ulysse, le soir de leur première rencontre, de le libérer, lui et les siens. Elle tiendra donc parole. Mais il reste un obstacle de taille. Les Grecs sont perdus. Avant d'échouer sur l'île de Circé, ils erraient sur les mers. Aujourd'hui, ils n'ont aucune idée du cap qu'il leur faut suivre pour retrouver Ithaque. Circé fixe alors Ulysse. Croit-il qu'abandonner la fille du soleil, une déesse au pouvoir de magicienne, le conduira droit chez lui? Non. Hélas. Circé lui dit alors ce qu'elle sait de son avenir. Peu de choses à vrai dire, car même les dieux ignorent ce que le destin, cette instance supérieure, réserve aux mortels comme aux éternels. Mais le destin d'Ulysse, s'il quitte cette île, n'est pas de se rendre à Ithaque. Sa route le conduira ailleurs, en un lieu que nul ne souhaite atteindre avant l'heure. En un lieu dont Circé seul connaît la voie. Un lieu terrible, dont le nom suffit à emplir d'effroi quiconque l'entend prononcer. Ce lieu, c'est la demeure sur laquelle règne le puissant Hadès et son épouse, la redoutable Perséphone. Les enfers. Ulysse vacille. Les enfers. Nul ne peut en revenir. C'est la maison des morts, des âmes errantes, des ombres des défunts, de ceux que la vie a quittés à jamais. Son heure a-t-elle sonné? Non, répond Circé. Elle lui raconte qu'un oracle, jadis, lui avait annoncé la venue d'Ulysse chez elle et son départ, un jour, pour son île natale. Cet oracle avait précisé que le chemin du retour ne pourrait lui être indiqué que par un seul homme, Tirésias le devin. Or, Tirésias est mort. Seule son histoire a survécu. Cette histoire, Ulysse la connaît,
comme tous les Grecs. Tirésias n'était encore qu'un tout jeune homme, lorsque, il y a bien longtemps, ses pas l'amenèrent sur le mont Cithéron, en Arcadie. Au cours d'une promenade, il vit deux serpents enlacés, deux serpents en train de s'accoupler. Fût-ce pour jouer ou par insouciance, Tirésias frappa les serpents d'un grand coup de son bâton. La femelle mourut aussitôt. Mais à ce moment précis, Tirésias sentit son corps se transformer. Effrayé, il assista à sa propre métamorphose. De beau jeune homme, il devint une femme. Une très belle jeune femme. Et une très belle jeune femme à l'appétit sexuel insatiable. Au point qu'il vendit ses charmes dans toute la Grèce et devint la prostituée la plus célèbre de tout le pays. 7 ans plus tard, la belle Tirésias trouva à nouveau sur son chemin deux serpents accouplés. Et à nouveau, elle s'attaqua à eux. Cette fois-ci, c'est le mâle qui fut tué. Aussitôt, Tirésias retrouva son apparence première, redevint un homme. Mais la vie de Tirésias se compliqua le jour où il fut convoqué par les dieux. Héra ne cessait de reprocher à Zeus, son époux, ses nombreuses infidélités. Le dieu des dieux n'a jamais nié, et chacun sait de quels exploits il s'est rendu capable. Chacun sait quel glorieux enfant il offrit à de belles mortelles de par le monde. Ce jour-là, Zeus ne nie pas, non. Mais il se défend en affirmant à Héra que lorsqu'elle partage son lit, c'est elle qui reçoit la meilleure part. Car il est évident, affirme-t-il, que dans l'acte sexuel, la femme prend bien plus de plaisir que l'homme. Héra s'emporte. Elle récuse les affirmations de Zeus. C'est exactement le contraire. C'est l'homme qui prend davantage de plaisir que la femme. Le désaccord, porté par la colère d'Héra, devient vite une querelle. Pour la trancher, Zeus et Héra décident de demander son avis à la seule créature qui, tour à tour, a vécu dans la peau d'un homme et d'une femme, Tirésias. Le voici sur l'Olympe, au tribunal des dieux. Tirésias ne peut ignorer la réponse à cette question, lui qui vécut l'expérience des deux sexes. Mais pour son infortune, Tirésias trembla devant le maître de l'Olympe et se rangea à son avis. Si le plaisir était compté sur 10 parts, les femmes en obtiendraient 9 et les hommes seulement 1, affirme-t-il. Zeus est satisfait, mais Héra fulmine. Elle lance sur Tirésias une malédiction. Elle condamne ses yeux aux ténèbres éternelles. L'homme qui a vu les dieux ne verra plus. Zeus, coutumier des colères de son épouse, n'ose s'y opposer. Mais il estime injuste que Tirésias paye d'un prix si fort la fureur d'Héra. Aveugle, il sera, soit. Mais le dieu des dieux lui accorde le don de divination et une vie qui se prolongera sur 7 générations. Ainsi, Tirésias, le devin aveugle, arpenta la Grèce. Il vit grandir les héros qui marquèrent l'histoire de leurs exploits. Thésée à Athènes, Héraclès à Argos, Jason à Iolcos, Œdipe à Thèbes.
Mais les sept générations sont passées. Aujourd'hui, Tirésias n'est plus. Circé confirme. Le devin aveugle réside en effet chez Hadès, dans l'illustre nation des morts. C'est là qu'Ulysse doit se rendre afin de le consulter. Seul Tirésias saura lui indiquer la route qui mène à Ithaque. Car Hadès et son épouse Perséphone ont laissé à Tirésias et à lui seul la sagesse et le don de divination. Les autres défunts ne sont qu'un vol d'ombre dont il faudra se méfier. Depuis le rivage, Circé contemple les bateaux d'Ulysse. Elle appelle sur eux Borée et Antiborée, les dieux des vents qui, lorsqu'ils soufflent ensemble, mènent les navires aux portes du lieu dont nul ne prononce le nom sans frémir, les portes des enfers. Elle sait qu'elle ne reverra jamais Ulysse. Jamais. Les voici tout proches du lieu indiqué par Circé, le mystérieux pays des Cimmériens. Murés dans le silence, Ulysse et ses compagnons contemplent avec crainte ce paysage peuplé d'arbres morts qui font penser à des spectres égarés. Ici, les rayons du soleil ne percent jamais. Ils règnent sur cette région une nuit éternelle. L'effroi se lit sur les visages. Un effroi qu'aucun d'entre eux n'a jamais éprouvé, même au plus fort des combats face à l'ennemi troyen. Les navires remontent le fleuve Océan, le plus grand de tous les fleuves, celui qui donne naissance à tous les cours d'eau sur Terre, et prend naissance dans les profondeurs cachées de Gaïa, la Terre-Mère. La progression est lente, interminable. Des odeurs putrides se mêlent aux ténèbres. Et bientôt, les voilà au bord d'un abîme d'où montent des volutes de fumée. Ulysse dégaine son épée. Il creuse une fosse, puis récite la prière des morts, leur offre trois libations, comme l'exige la coutume. Il appelle Tirésias et lui promet qu'aussitôt rentré chez lui dans la lointaine Ithaque, il lui sacrifiera le plus beau bélier de son troupeau. Puis, il saisit la brebis et l'agneau immaculé que Circé leur a offert et leur tranche la gorge au-dessus de l'abîme. Le sang s'écoule jusque dans les entrailles de la terre. Et un chant lugubre s'élève, porté par des fumerolles aux relents de soufre et de pourriture. Une à une, les âmes des trépassés approchent, décharnées, grimaçantes. Ce sont des jeunes filles encore vierges, des hommes et des femmes dans la fleur de l'âge, des vieillards usés par la vie, des guerriers encore pleins de sang, victimes de la fureur d'Arès. Ulysse contient sa peur. Il ordonne à ses hommes de poursuivre le sacrifice en l'honneur de Tirésias. De son épée, il interdit à la foule des morts d'approcher du sang offert au devin aveugle. Mais le peuple des morts, lentement, encercle les imprudents marins.
il vient boire le sang noir du sacrifice qui lui rendra, pour quelques instants, la vigueur du souvenir. Il a donc osé. Le maître de l'Olympe entre dans une de ces fureurs que redoutent même les dieux et les déesses. Partout sur Terre, le ciel se voile. L'obscurité recouvre le monde entier. Zeus s'emporte. Un mortel vient d'enfreindre la loi sacrée qui interdit de pénétrer vivant aux enfers. Et c'est une déesse, Circé, qui l'y a invité. Et il est protégé, cet impie, par une autre déesse, plus puissante encore, Athéna, sa propre fille. Et le dieu Hermès, son fils dernier-né, s'est rangé à ses côtés. Et sans doute, Hadès et Perséphone ricanent-ils du bon tour qu'un mortel est en train de jouer à Zeus. Jamais on n'a vu des dieux marquer ouvertement plus de faveur à un mortel. Or, ce mortel, Ulysse, est désormais convaincu que les dieux ne sont rien, que les dieux ont abandonné les hommes, et qu'en retour, les hommes ne doivent plus rien attendre d'eux. Ulysse est un danger qui menace tous les dieux. Il les défie, bafoue leurs lois. Dans le cœur endurci d'Ulysse, la peur et la foi, indissociablement liées afin que soient révérées les divinités, ont disparu. C'est le règne des dieux de l'Olympe qu'Ulysse remet en cause en se rendant aux enfers pour y consulter non pas un dieu, mais un homme auquel les divinités ont jadis accordé le don de lire l'avenir. Athéna ne craint pas la colère de son père. Elle lui fait valoir que la traversée des enfers est une épreuve, une de celles nombreuses qu'Ulysse doit endurer à la demande même de Zeus. Comme à son habitude, dit-elle, Zeus n'a pas voulu trancher le différend qui oppose Athéna à Poséidon autour du cas d'Ulysse. Il a accepté, comme toujours, un compromis. Face à Poséidon qui veut ardemment la mort d'Ulysse et devant Athéna qui souhaite sa survie, il a préféré choisir un entre deux. Ulysse, a-t-il déclaré, ne mourra pas, mais subira les peines que nul homme jamais n'a supportées. Laissons Ulysse poursuivre sa route, insiste Athéna. Peut-être est-ce là le meilleur moyen de ramener Ulysse à la foi de ses pères. S'il traverse les enfers, lui qui n'est qu'un simple mortel, s'il subit à nouveau le funeste sort que lui réserve la mère, et si Athéna et Hermès peuvent veiller sur lui et lui inspirer de nouvelles ruses pour retrouver son chemin, alors ce n'est pas à un devin aveugle et mort qu'il offrira des sacrifices, mais aux dieux tout-puissants, les Olympiens, qui l'ont tiré du malheur dont il est la victime. Sa foi dans les dieux de l'Olympe renaîtra, plus forte que jamais. Face à la pugnacité de sa fille, Zeus baisse les bras. A-t-il seulement d'autres choix ? Ulysse, le glaive à la main, continue de défendre aux morts de s'approcher du sang offert à Tirésias, tant que ce dernier n'est pas apparu. Mais soudain, il se fige. Une silhouette vient de sortir de l'ombre. Ulysse ne peut y croire. Pourtant, c'est bien elle. Sa mère, Anticlée. Il l'a laissée vivante lorsqu'il est parti pour Troie
il y a plus de 10 ans. Que fait-elle ici, aujourd'hui, dans ce lieu infâme? Anticlée, elle aussi, est surprise. Que vient faire son fils, qui semble encore bien en vie, ici, parmi les morts et les ombres? Alors, Ulysse lui parle. Il lui raconte son errance sur les mers, la raison de sa présence dans ce lieu maudit, puis il la presse de questions. Par quel funeste sort se retrouve-t-elle chez Hadès? Que sont devenus Laërte, son vieux père, Pénélope, son épouse, et Télémaque, son jeune fils? Le chagrin, réplique Anticlée, c'est le chagrin, c'est le regret, c'est le souci, c'est l'absence d'Ulysse qui ont eu raison d'elle. Quant à Pénélope, nulle crainte, du moins pour le moment, car Pénélope l'aime toujours. Elle l'attend. Elle pleure chaque soir lorsque les bateaux rentrent au port, espérant chaque soir que l'un d'entre eux apportera des nouvelles. Laërte est encore en vie, bien que faible et désespéré, lui aussi. Dans un élan irrépressible, Ulysse tente d'embrasser sa mère. Mais à peine s'élance-t-il que l'ombre d'Anticlée s'évanouit, pareil à un songe. Enfin, l'ombre d'un vieillard apparaît au-dessus des autres, drapée dans un manteau de brume. Tirésias. Le devin aveugle tient à la main un sceptre d'or. Ulysse s'avance, prudent, redoutant que l'ombre, comme celle de sa mère, disparaisse à jamais. Et il interroge le devin. Poséidon, répond Tirésias, ne pardonne pas à Ulysse d'avoir aveuglé son fils, le cyclope Polyphème. Zeus lui-même en conçoit une violente colère. Ulysse s'est attiré leur hostilité. La route qui le ramènera à Ithaque passe par l'archipel des redoutables sirènes, puis par les rochers de Charybde et de Scylla, deux monstres qui dévorent les navires qui les approchent. Cette route, Ulysse peut l'emprunter et en sortir sain et sauf s'il se souvient qu'il est l'homme aux mille ruses, l'homme aux multiples stratagèmes. Puis, il abordera sur l'île du Trident. Là, il verra de magnifiques troupeaux paître dans les prés. Ils appartiennent à Hélios, le dieu soleil. En aucun cas, Ulysse ne devra lever la main sur eux. Sinon, le plus affreux des malheurs l'attend, irrémédiable. Ces hommes mourront les uns après les autres et tous ces navires seront détruits. Si par miracle il en réchappe, il regagnera Ithaque, mais seul. Et une fois chez lui, il sera accablé de nouvelles peines. Ulysse écoute en silence. Il suivra à la lettre les instructions de Tirésias. Mais aux malédictions des dieux, il répond par un haussement d'épaules. Les dieux, depuis la sinistre guerre de Troie, n'ont plus les pouvoirs que lui prête Tirésias. Ils appartiennent à un monde révolu. Une clameur sourde, tout à coup, s'élève des profondeurs. Tirésias lui-même est pris d'effroi. Les morts refluent de toutes parts, comme s'ils redoutaient quelque danger plus épouvantable. Car ils le savent, dans les profondeurs des enfers, se trouvent des choses plus terrifiantes que les dieux, des créatures des temps anciens que le simple haussement d'épaule d'un mortel peut suffire à réveiller.